Salut tout le monde et bienvenue dans la suite de Jack 3. Bon, alors on va se grouiller parce que on est directement sur une nouvelle mission. Dans un repère de Metalheads. Alors, on va avoir besoin du jetboard, c'est vrai. Je vais complètement, comme j'avais dit en fin de vidéo précédente, j'avais complètement zappé cette mission. Et alors là, complètement. J'ai des souvenirs qui reviennent petit à petit. Alors. Ah putain, oui, c'est vrai. Ah oui. Alors, il faut tuer les... tous les espèces de... générateurs, je crois qu'on peut pas appeler ça comme ça. Et ils se tuent tous dans des trucs comme ce style de... alors. Voilà. Bon. Assez tranquille comme mission, il me semble. J'ai pas eu de grosses difficultés à la faire à l'époque. Le but, c'est de rester sur cette plateforme. Genre là. Voilà. Ouf. Ok. Tout va bien. Merde. Ça va faire par là. Wait. Où ça? Ah, shit. Wait. Bon. Nous, déjà, on va nous éclairer. Voilà, ça fera un souci en moins. Hop, on vient ici, hop. En tout cas, votre nouveau nid est assez swag, j'ai envie de dire. Voilà. Là, c'est mieux. Hop là, voilà. Bon, on reprend notre chemin. Du moment qu'on ne longe pas les côtés, ben, on va devoir forcément y aller. Du coup, on va être un peu emmerdé par des métallettes. Quel nid est différent de ce qu'il était avec votre ancien chef. Hein. Hop. Voilà, vous ne mourrez pas. Hop là, plus que deux. Qu'est-ce que c'est bizarroïde ces espèces de trucs sur les côtés. Je dirais un peu un univers avec tout. Un tentacule de créatures bizarroïdes. Faut penser à des dieux, un peu aux dieux très anciens dans World of Warcraft aussi. Un tentacule et de biscuits. Enfin bref. Du beurre à l'autre, des trucs. Allez, propulse-moi. Toi aussi, propulse-moi. Go! Voilà. Et il ne reste plus que le dernier. Ah oui. Ah ah. Ah ah. Ah ah. Ces petites plateformes. Celles-là, je les avais oubliées par contre. Jusqu'à maintenant. Ok. Doucement. Doucement. Parce que le vert, c'est simple. Je touche, je suis mort. Ok, c'est bon. Voilà. Ah oui, le truc d'écho noir là-bas. Oh, je suis sérieux. Je l'avais. C'est la triche. Voilà. Et du coup, qu'allons-nous avoir? Ah! Oui, 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 je me souviens. Je me souviens. Je me souviens. Je me souviens du pouvoir d'écho. Oh putain, c'est vrai! Vous allez voir. Alors, comment on fait déjà? R enfoncé. Voilà. Et. Puisque tu es près de l'entrée sud de l'abri forêt, pourrais-tu aller y me quitter sur une
prolifération des gaudoirs. On dirait que quelqu'un fait encore des expériences avec les coups. Si tu trouves des plantes contaminées, détruis-les avant qu'elles ne se répandent. Les anciens guerriers des précurseurs qui se trouvent là-bas ont peut-être un lien avec les catacombes. Mais si les Metalheads arrivent avant nous, nous ne serons jamais sûrs. Pas de chance. Morido bleu qui provoque ça. Ouais, donc on a accès directement à cette zone enfin, à côté du port là. Et oui, maintenant je reconnais maintenant cet endroit. C'est vrai que c'est l'ancienne zone d'abri-vide qui menait vers l'abri-forêt. Abri-forêt, il me semble, n'est plus. Jack, tout pareil. Tu peux tuer ces plantes avec ton jetboard. Recueille de l'énergie des couvertes et répartis-la sur les plantes. Ça me rappelle une ancienne mission. Je n'ai pas dans Jack and Daxter. Là on devait tuer les plantes d'écho noir. Ah, par contre, est-ce qu'elles se régénèrent celle-là? Sans que. Au bout d'un moment, oui. C'est bien ce qui me semblait. Ok. Alors, de découverte. Hop. Découverte comme ça. C'est vrai. Sauf que jetboard n'est pas tout à fait maniable. Ça ne se régénère pas, je pensais que les plantes se régénèrent au bout d'un moment. Non, ce n'est pas aussi pute que dans Jack and Daxter. Ok. La vraie forêt, donc, il manque une sacrée partie quand même. C'est toute la partie supérieure qui n'existe plus du coup. Et on ne peut plus accéder. Bon, on simplifie le truc. Ok. Allez, on va faire ça. Tac, tac. Si je me prends les murs. Sinon je me prends toujours les petits recoins. Ah putain c'est chiant. La maniabilité du jetboard est toujours aussi pourrave. Sans dire que je me cogne sur le moindre petit arbre, le moindre petit buisson. Bon,
texture de l'eau, j'ai l'impression qu'elle est pas super bien faite ici. Ouais, non, elle est pas terrible comparée à celle dans la ville. Ok. On commence par là-bas. Ok, ça c'est bon. Ah, ok, là. Ouais, il y en a plein. C'est énorme. Il y a par là. Et on n'en parle plus. Au travail, Jack. Ces piliers des précurseurs sont parmi les plus anciennes ruines qu'on ait trouvées. Il a écrit qu'il y avait d'anciennes ruines à l'ouest pouvant être activées par 5 objets et renfermant d'incroyables vérités. Je vais mener mon enquête. Mm-hmm. Ok. Oh, nouvelle pièce d'armure. Ce qui veut dire plus de PV. Ah, excusez-moi. Un petit message de dernière minute. Un petit message important que je vais lire. Ok. Jack, on a repéré 4 transformateurs qui doivent être détruits et désactiver certains boucliers. Jinx, notre expert en explosifs, pourra faire sauter ces transfos si tu les conduis et si tu le couvres pendant qu'il bosse. Tu te souviens de Jinx? Il t'attend dehors, dans le véhicule. Éclatez-vous bien. Ouais, mais j'aimerais bien voir la carte pour pouvoir sortir d'ici. Ah, là, voilà, c'est bon. J'ai la porte d'entrée. Voilà. Bon. Une mission rondement bien menée. Bon, Jinx. Tu m'attends ici, c'est ça? Hé, hey, joli cœur. T'es prêt pour la grande aventure? Oui, je me souviens de toi. C'était, avec Crew, c'est ça? Lorsqu'on est allé dans les égouts? Il me semble, oui. J'ai vu la voix, je pense que ça doit être bien. Bon. Vas-y. Couvre-moi, Jordilette. Et je voilà. Et regardez-moi tous ces points de vie qu'on a. Bon. Enfile, la bébé va exploser. Yes. Allez hop, et non. Il en faut 4 au total, c'est ça. Ça va, easy. Easy, easy. Bon. Deuxième transformateur. Voilà. Hop! Trop facile. Dès qu'il y a un souci, un coup de ricochet. Par contre, le vécu, je ne pense pas qu'il va. Ok, tant pis pour les gemmes crâniennes. Mais disons que la priorité, c'est de finir cette mission. Les jeunes crâniennes, je n'use pas tant que ça, donc... voilà. Ça se récupère, hein. Alors, nous avons ici... Est-ce que ça va être les machines qui vont nous poser problème, n'est-ce pas? Gardez-moi en vie pendant que je fais exploser l'installation.
Ok. Allez. Et j'ai l'impression que mon véhicule est immortel. Bon, c'est cool. Hein. De me concentrer sur les ennemis. Rêve. Allez hop. Yes. Tranquille. Génial, Jack, bravo. Les grenadiers perdent des territoires. Bien joué, Jackie chérie. Je vais voir ce qu'il y a à piquer. Un C4. Je sais ce que vient de me passer, mec. Et je t'en remercie. On va s'amuser un peu. Ça vous dit? Ici Ashley. Jack, on a eu vent d'une cargaison d'écho qui va être livrée dans la section Grenagarde de la ville. Il faut la voler. Je veux que tu trouves le véhicule qui contient l'écho et que tu le ramènes entier au Notible Outre. Y'a pas de soucis, juste je. Mais nous avons besoin de cet écho pour la guerre. Surtout, ne perds pas la cargaison. Ok. Donc, oui, des espèces de d'aiguillons à tête chercheuse. Voilà. Tranquille. Ça marche. Bon. Ah, putain, oui. I remember now. Bon, bah, autant la faire, hein. Ouais. Je me souviens de ce qui va se passer. C'est drôle, vous allez voir. Alors, on a une cargaison à récupérer. Techniquement, il ne peut rien se passer de mal, hein. N'est-ce pas? Je m'en place un peu. Voilà le véhicule. On y va. Hop. Oupa. Ah, ah. Des missiles à tête chercheuse. Bah, donc, faut pas s'arrêter. Et dès qu'on touche quelque chose, on meurt forcément. Je vous préviens. Il se peut que je meure régulièrement dans cette partie de la mission. Et on se panique pas. Hop, on prend le virage de façon large. Voilà. Voilà. Dirige-toi vers le port. Les missiles lèchent mon cul. Littéralement. Utilise les leurs pour te débarrasser des missiles. Ok, et dans moi. Yes. Merde. Au boulot. Et. Il faut que les missiles poursuivent le leurre. Oui. Sauf que des fois ils veulent pas. Ok. C'est bon. On respire. Il reste 3 missiles, 2 leurres. Mais alors. Où va bien aller le dernier missile? Un autre missile désorienté. Voilà. Continue. Allez. Et donc le dernier. Dirige-toi vers le Notible Outre. L'enseigne du bar sera le dernier leurre. Tu peux y arriver. Remonte l'enseigne pour qu'elle brille un max. Tiens bon, Dax. Ça va être chaud. Bon, bah. Pour une fois, on a déglingué Daxter. Ça fait plaisir. Oh. Alors, on a moyen d'aller au port pour retourner à Spargus. Mais on va déjà terminer mission à Abbeville. Histoire 2. Jack, on signale de nouvelles offensives sur le port. Ils veulent nous éliminer pour de bon.
Ce qui est très bizarre, c'est que ça bouge du côté des Grenagardes et des Metalheads. On dirait qu'ils travaillent ensemble. Il faut qu'on les repousse, sinon on est cuit. Désolé de te faire ça, mais je t'envoie en première ligne. Tu es l'homme de la situation. Empêche les soldats Grenagardes et les Metalheads d'arriver jusque-là. Si on perd cette bataille, on est fini. Ok. C'est bien ce qui me semble. Bon. Il nous envoie en première ligne, mais il nous supprime nos armes. Parce que voilà. Merde. Pourquoi nous faire ça, Thorn? Pourquoi nous retirer notre seul moyen de défense? Éviter de tuer mes alliés en fait. Voilà. Allez, tu veux bien m'aider toi? Non, je vais pas prendre celle-là. Allez, supprime-moi mon arme. Oh putain. Voilà. Déjà grenade de partout. Ami et ennemi, franchement. Non, c'était peut-être pas la bonne idée de m'envoyer en première ligne sur le front parce que vous allez perdre plus d'hommes que de métalettes. Voilà. Les ennemis sont éliminés petit à petit. Les alliés aussi. Voilà. Ils t'ont repéré, bouge. What? Ok. Tu te dis. Oh. Tant, c'est pas une bonne idée de me mettre des civils dans les phases. Maintenant. Oh putain. On a besoin de renfort.
Je sais. Aïe. Désolé, l'ami. Et une fois un quota d'alliés tués dans ces vidéos. Voilà. Lancez-moi en encore. Voilà. Bon. Ok. Je me garde bien tout peu. Souvent tous mes alliés meurent les uns après les autres. J'ai contré une attaque et massacré la moitié de nos troupes. Est-ce qu'on considère ça vraiment comme une victoire? Je sais pas. Ouais, Moussaillon, bon. Et là, on a une nouvelle arme, ici, c'est ça? Vas-y. Dexter, mon héros! Cette ville est bien trop dangereuse. Nous devons nous installer à la campagne, dans une petite maison rose. Avec une clôture, et une cheminée, et un grand lit à baldaquin pour moi. Et une petite roue pour que tu puisses courir. Ah, tu t'inquiètes pour moi, ma petite tessie d'amour. Bien sûr, mon mignon, trognon, bébé chéri. Oh, pitié. Allez faire ça ailleurs. Besoin d'affection, Jack. On en a à revendre. À ce qu'on dit, vous êtes notre seul espoir d'atteindre les catacombes. J'ai programmé le parcours de tir pour simuler de nouvelles tactiques ennemies. Ça vous dit? Est-ce qu'on a vraiment le choix? Ok, là, bien. Ok. Putain. Putain. Ok, la cadence de... Question, la cadence de tir, est-ce qu'il y a un moyen de l'améliorer? Secret. Finition. Une fréquence de. Oui, putain. Il y a moyen d'augmenter la fréquence de tir de cette putain d'arme. Donc je joue très bien. Je pense que le défi, je vais le déchouer. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais mourir là, lamentablement. Allez-y, tuez-moi! Allez, est-ce qu'il n'y a pas des bombes qui peuvent popper? Parce que là, 11 000, je les aurai jamais. La fréquence de tir est trop faible. Allez. Voilà. Au revoir. Donc, est-ce que... J'ai fait exprès. T'en fais pas. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, mais... Ça sert à rien. Ok, faut que je passe en survivant. Non, ça n'a pas marché. Ok, cette fois-ci je le fais sérieusement.
J'avais de la mauvaise foi en fait, parce que j'ai fait la première fois. Merde. Ok. C'est plus faisable. Bien. Il faut que j'augmente cette fréquence de tir. Ça, ça va pas très bien. Ok. Finalement, ça va. Ça aurait pu être pire. Pas mal joué, mon grand. Voilà un beau joujou pour ton acolyte. Démolissez-les, les gars. Et à ton retour, je te gratouillerai derrière l'oreille. RPG plastique. Tout ça pour... un lance-grenade. Voilà. Bon. Eh ben, c'était merveilleux. C'était plein de failles. Bon. Allez, je vais sauvegarder, puis je vais arrêter ici. Voilà, sur cette sauvegarde. Allez, merci d'avoir regardé, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, et à vous abonner pour ne pas manquer la suite si ce n'est pas encore fait. Allez, ciao!